Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Permet qu'on sache. Oui. Tu es Dieu. Permets qu'on sache. Oui. Que c'est toi qui es Dieu. Permets qu'on sache. No.
Jesus,
doucement. Jandaya. Rasandaya. Jokaya broka. Sandoya brikataya. Jandaya brahoka takaya. Masandoya brika. Acclame fortement Jésus. Acclame la Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nane wanyebe. Nane wanyebe. Oh, wanyebe. Dieu n'existe plus. Mais je te reçois un message. Mon Dieu va se révéler à eux. Réponds amen. Réponds amen. Je n'ai pas parlé des idoles. Je n'ai pas parlé d'une quelconque idole. Leur a sonné. Que ton Dieu, leur Dieu, quelqu'un doit dépasser l'autre. Il t'avait dépassé. Mais aujourd'hui, ton Dieu s'est levé. Je ne sais si tu es ici. Ton Dieu s'est levé. Il fera quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dites amen. Dieu est véridique. Depuis mardi, il est présent au milieu de nous. Cette nuit, alors, selon le programme de l'homme de Dieu, il devrait être parmi nous ici cette nuit, mais suite à certaines préoccupations, il est absent. Amen. Il me charge de vous transmettre ses salutations au travers de Jésus. Les personnes distinguées, les femmes, les hommes distingués. Alors, toutes les créatures divines ici, jusqu'au pasteur qui nous assiste à la plateforme, il me demande de vous transmettre ses salutations fraternelles et que le Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Amen. Oh, amen là. Amen. Amen. Disons un grand amen. Mais la seule chose que je reconnais cette nuit, alors une fois m'a intégré, et je me demande, et n'y aura-t-il pas de Richard parmi les enfants de Dieu? Alors si Dieu connaît une honte quelque part, afin que celui-ci investisse milliards pour défier le monde, si cela n'a jamais lieu, je t'ai vu parmi ces personnes. Si tu es timide, tu vas raconter beaucoup de choses. Je t'ai vu parmi ces milliardaires. Je te vois parmi ces milliardaires. Je te vois parmi ces milliardaires. C'est un grand amen. Cette nuit est extraordinaire. Tourne vers ton prochain, dis-lui cette nuit est extraordinaire. Cette nuit, l'Éternel est en train de marcher. Demande ton prochain s'il ne le voit pas.
L'Éternel est de passage avec la bénédiction. Il est de passage avec la bénédiction. Il est de passage avec la délivrance. Cette aube, toute personne ici, dans ce temple, votre histoire sera transformée. La transformation de l'histoire est celle-ci. Toi qui étais le dernier parmi les gens, parmi les enfants de ton père. Amen. Dieu fera de toi une personne de référence à de ta famille. Le ciel fera de toi une personne de référence à de ta famille. Amen. Dis un grand amen. Le thème dans lequel nous sommes cette semaine, c'est que Dieu a délivré trois Hébreux de la fournaise ardente. Alors jetez quelqu'un dans le feu afin que la personne sorte sain et sauf. Cela prouve que Dieu est réellement avec celui-ci. Si vous dites non, alors qu'on allume un feu ici et qu'on décide de jeter quelqu'un dedans, alors si le papa de celui qui veut être jeté dans le feu ne fait pas de la brutalité ici, peut-être un membre de sa famille sera dans le temple et va le voir sur les écrans. Il va dire, hey, on veut jeter mon frère dans le feu. La personne va courir. Il y aura des bagarres dans ce temple. Parce que alors le feu ne peut jamais cohabiter avec le corps. Alors reconnaissons la grandeur du Dieu qui avait marché avec nos prédécesseurs. Et je me demande à savoir, alors quel type de prière sur s'y avait adressé? Alors quelle était la condition dans laquelle ils vivaient devant Dieu? Et ils étaient jetés dans le feu. Le feu a refusé de les brûler. Cet type d'onction, il repartira avec elle. Ils étaient dans une onction. Jesus. Ils étaient dans une onction. Ils étaient là-dedans. Et ils sont allés dans le feu. La foi était le vêtement, le manteau qu'ils avaient porté. Mais une autre onction est allée dans le feu avec eux. Et le feu est devenu autre chose. Ta souffrance. Ta souffrance. Le popo cette aube sera transformée en joie. Elle sera transformée en miracle. Elle sera transformée en mystère. Amen. Dis un grand amen. Alléluia. Amen. Je dis, Dieu avait délivré des gens du feu de la fournaise ardente. Je n'étais pas témoin de ce miracle. Et c'est moi qu'il va délivrer cette nuit. C'est toi qu'il va aussi délivrer. Qu'on sache réellement qu'il est Dieu. Afin qu'on sache qu'il est le Dieu de Kojo. Nous n'allons plus lire les témoignages de la Bible. Et le nom de qui sera mentionné? Tu es en retard. Tu es en retard. Et je vois que tu seras la première. Je dis, alors à qui Dieu le fera-t-il? Si c'est toi, ce mystère s'accomplira. Je suis là. Ce signe s'accomplira. L'onction qui s'est rendue dans le feu. Alors je suis dans cette même onction. L'onction qui s'est rendue dans le feu. Bien-aimé, le Dieu que nos prédécesseurs avaient adoré, mais ils avaient cru en ce Dieu. Et si quelqu'un peut croire cette nuit, amen.
Dieu accomplira du jamais vu dans ta vie. Et ce ne sera notre propre force, ni notre propre intelligence, mais à cause de la croyance que tu as en Dieu, le miracle s'accomplira dans ta vie. Cette nuit, et on n'a plus assez de messages, nous allons simplement prier. Je t'ai reçu un message. Lisons dans Psaume 91, verset 14. Alléluia. Amen. Nous lisons du 13e verset jusqu'à la fin du 14e. Et Psaume 91, verset 13 jusqu'à la fin du 14e. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fourreras le lionceau et le dragon. Le verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Amen. Amen. Alléluia. Vodriba et daho que le pomme mena. Le serpent odola, obenade, et ya magano jio. Amen. C'est toi qui vas piétiner ce serpent ancien qui t'importune dans ta famille. Et ces esprits ne vont plus t'amener sous la mer. Au moment où tu marches sur les pas des lions, Dieu va te délivrer. Si les serpents de famille, les esprits des eaux, ont la même mise sur ta vie conjugale, la Bible dit, et elles ne pourront plus demeurer sur toi. C'est toi qui vas les fouler. Oh, amen à nos sangs. Amen. Mais amen à nos sangs. Dis plus fort, amen. Mais amen à nos sangs. Dis plus fort, amen. Amen à nos dilatibada. Amen de l'autre côté. Le moutonac pas dilatia. Parmi les hommes. Amen à nos premiers. Amen plus fort. Amen à nos sangs. Amen plus fort. Non, 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 amen, garde. Que les femmes disent grandement amen. Praise the God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais de coucou à mes yole megbeda le Seigneur megbea. Ceux de derrière, vous nous écoutez. Mais comme yabasi omiakba. Levez vos mains, nous allons voir. Blana novio be zaya yo zaya. Dis à ton prochain que cette nuit et cette nuit. Yesu le dawa du guru. Jésus accomplira des miracles. Mikbo amen. Dites amen. Nemise enu nanglea ble. Alors, si vous écoutez un peu la lecture et la réponse qui a été donnée, alors c'est quelqu'un qui priait avant que la réponse ne lui soit donnée. On dit, et l'homme priait. La prière d'une personne ne peut jamais être, tu marcheras sur les aspics. Tu fouleras les méchants, je te protégerai, je te délivrerai jamais. Et c'est quelqu'un qui lui donnait cette réponse. Et ici, ce n'est plus un homme. Et c'est Dieu qui s'adressait à celui qui priait. Il dit, alors, les traces. Les traces.
Voilà. Il y a certains petits serpents, quand ils mordent les gens dans les champs, on commence par creuser la tombe à la maison avant que le corps de la personne ne soit ramené. La Bible dit que tu marcheras sur de tels serpents. Amen. Amen. Alors, les traces des lions, les lions ne pourront rien contre toi. Et il existe aussi le dragon. Le dragon. Le dragon crache le feu. Le dragon crache le feu. Il y a certains serpents comme ça, qui crachent du feu. Et ils sont de gros serpents qui existent. Raison pour laquelle il existe dans certaines familles. Alors, la descendance est confiée à ce genre de serpent. Les membres de ces familles n'arrivent jamais à évoluer. Quand ils commencent par évoluer, ils reculent encore. L'Éternel dit, qu'ils fouleront ces serpents. Toi, tu vas les fouler aux pieds. Ces serpents. Alors tu vas briser ces canaris. Tu briseras ces canaris. Voilà. Amen. Alors, si tu as encore certains serpents dans ta maison, dans une calebasse, dans un canari, sous ton lit, avant que tu ne viennes adorer Dieu, au retour à la maison, dis à tes parents, dis à tes prochains que le bonheur n'est pas auprès du serpent. Praise the God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je me demande à savoir qu'est-ce qui empêche l'évolution des croyants. La chose est devenue problème spirituel. C'est un problème spirituel. Quand quelqu'un commence par évoluer et ils se réunissent spirituellement et ils détruisent son évolution. La parole de Dieu ne change jamais. Elle dit, je le délivrerai. Puisqu'il s'est attaché à moi. Je le lèverai. Car il connaît mon nom. Alors, qui est-ce qui connaît le nom de Dieu ici? Est-ce vrai? Cette nuit, tu seras élevé. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alors, si la Bible dit que tu seras élevé, on ne viendra pas soulever ton corps en l'air. Mais toutes les activités que tu feras dans ton service, si tu ne connaissais jamais de promotion, d'évolution, le Seigneur t'accordera une grande promotion. Dieu parle, disons, je le délivrerai. Je le délivrerai. Alors, moi, j'ai déjà préparé un message. Et je disais au pasteur tout à l'heure à la plateforme. Alors, c'est la même parole que Dieu a déclarée lors de la prophétie. Cette nuit, Jésus va te délivrer. La situation dans laquelle tu es. La malédiction dans laquelle tu es. La dette dans laquelle tu es. La souffrance dans laquelle tu es. Le ciel t'en délivrera. Dieu t'en délivrera. Tu peux garder le ciel t'en délivrera. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Je voudrais que si Dieu doit t'élever, amen. Que Dieu t'élève en dignité à telle enceinte que si les gens voient ta promotion, qu'ils aient peur. S'ils te voient, et ils te feront leur signe.
pour voir si tu fais partie de leur club. Et ils verront que non, tu ne fais pas partie de leur club. Et ils vont chercher la source de ta bénédiction en allant. Et ils verront Dieu. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, celui qui avait délivré les gens du peuple. Je dis c'est à lui. Il va t'élever. Il va t'élever. Il va t'élever. Tiens, crois, amen. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de solution pour son cas. Que la personne dit qu'elle n'est rien. Quand on écrit milliard, et on enlève, on efface zéro, il reste combien de chiffres? Hein? 100 millions. 100 millions. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Milliards de cas. Quand on écrit milliard, un milliard, y a des zéros là. Et qu'on efface le chiffre 0 ou 1, 0. Et pendant 100 millions. Il reste 100 millions. Allô? Il y a des 100 millions. Maintenant, les 100 millions. Alors, et quelle est la valeur de ce zéro qui a été effacé? 900 millions. 900 millions. Mais comparez plus 100 millions. Alors, comparez la valeur du zéro qui a été effacé avec les 100 millions. Mais Seigneur, écoutez très bien. Amen. Ceux qui sont déshonorés, amen. Ce sont eux que Dieu élève. Ceux qui disent que c'est fini pour eux, amen. Ce sont les grands Richard. Non, la fille, si tu es ici, amen. Que cette grâce te parvient parmi les hommes. Ouais. Reçois-la. Maman, ouais. Reçois-la. Maman, ouais. Reçois-la. Je suis en train de te faire connaître l'incantation divine. Yeah. Alors qu'elle te déplace de la pauvreté notoire. Qu'elle te délivre de la souffrance. J'envoie la parole vers toi. La parole ne sort pas vainement. Elle délivre. Elle change l'histoire de l'homme. Elle élève. Elle guérit. Elle vivifie. Alors, qu'est-ce que toi tu veux? La parole accomplira ses œuvres. Cette nuit, c'est pourquoi j'ai commencé par chanter. Et que Dieu fasse quelque chose afin que les gens reconnaissent qu'il est le Dieu de ta vie. S'il te voit aussitôt, tu vois toi et tes enfants, tu vois ta boutique, tu vois ton bureau, qu'ils disent que celui-ci est enfant de Dieu, qui est de son côté. Mais cette œuvre, le miracle est lié dans ta vie. Le mystère est lié dans ta vie. Le miracle est lié dans ta vie. Amen. Dites amen. Mais c'est maounya gomen subo kaka me jo la fille quelqu'un la bé. Mais dis ben maounet déplacé au le refou pepe me. A daoudé a fille nano. Moutio la foi. Yen a subo maou. Je vois qu'on te délivre de la précarité. Je vois qu'on te délivre de la précarité. Maman dit amen de ce côté. Alors, j'ai compris beaucoup le sens de ce message à telle enseigne que l'Esprit de Dieu me pousse à déclarer sur toi que le Seigneur te délivre de la précarité et qu'il t'accorde une position élevée. Praise the God. Alléluia. Amen. Dieu parle de quelqu'un cette nuit.
Il dit, je vais le délivrer. Il te voit dans une situation. Cette nuit, ce n'est pas Koshua. Ce n'est pas Adjo. C'est toi qui es là. Tu seras délivré. Les enfants de ton père. Le monde n'est pas présent. C'est toi que Dieu a appelé. Crois seulement. Que Jésus t'en délivrera. Amen. Si un grand amen. Pourquoi? Quand je commence par chanter, ne chante pas pour moi. Dieu permet qu'on sache que tu es Dieu. Fais-moi ceci. Ouvre-moi cette porte. Mettez-vous en colère dans la prière. Et quand on invoque Dieu, il n'abandonne jamais. Les gens sont rentrés dans le feu. Dieu les avait délivrés. Daniel était jeté dans la fosse au lion. Dieu a fermé la gueule des lions. Après ton départ, les sorciers qui vont te déranger, Dieu fermera leur gueule. Les démons qui vont encore te déranger, le feu du ciel va les consumer. Dis-moi un grand amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu délivre du péché. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus auprès de la femme prostituée qui était au bord du puits. Et Jésus l'a libérée du joug du péché. Dieu délivre dans tous les domaines. Amen. Dieu va te délivrer cette nuit. Dieu ne met pas de distinction entre les problèmes, soi-disant, je vais résoudre tel problème et laisser l'autre. Il suffit que tu prennes conscience de ta situation dans laquelle tu te trouves afin d'adresser ta prière à Dieu. Cette nuit, il est prêt. Décidément, il va te délivrer. Sinon, nous le voyons maintenant. Je t'ai montré comment prier. Si tu ne sais pas comment prier, ô Éternel, regarde là où je suis. Parmi les membres de ma famille, au sein de mes amis, et ils se moquent de moi. Mais cette aube permet qu'on sache que tu es Dieu. C'est qu'un mystère doit s'accomplir. Ils ne vont plus te connaître prochainement. Hey, l'état dans lequel tu es venu, à cause de la foi, tu repartiras avec ton miracle. Tu repartiras avec ton miracle. Nane wanyebe. Nane wanyebe. Wenye. Wenye mahu. Yehowa ye. Nane. Nane wanyebe. Wenye. Wenye mahu. Mille ya pouli de main. Nous allons maintenant prier. Non la jiha. En chantant. Na jiha tchèque pas ta main. Chante dans l'autorité. Et pose des questions à Dieu. C'est toi qui avais agi jadis. Cette aube, tu en feras encore. Prie maintenant. Prie maintenant.
le passe et qu'on sache qu'il est Dieu. Nowhere. Il le passe. Oh, nowhere. Il le passe. 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 Abrima. Le mystère. Je suis. Le signe. Chokayabraya. L'omarakataka. Chokatakayabra. Masondarabaya. L'omarakotokata. Le miracle cette nuit. Ne viens jamais pas où Dieu. Fais qu'on sache que tu es Dieu. Yo, la paix de ma vie. Où est la paix de ma vie. Où est la paix de ma vie. Yo, la paix de ma vie. Dedans on m'a outil. Approche-toi de ton Dieu. Dedans on m'a outil. Approche-toi de ton Dieu. J'ai vu que vous êtes vraiment à la face de Dieu.
Mais que votre prière soit plus intense. Et j'ai reçu une révélation. Et concernant ce camp de prière, je l'avais dit lors de la rencontre des sages ou du comité des sages. Le jeudi, et je répétais la même chose ici. Alors j'ai vu qu'on a apporté trois titans. Alors, le monsieur qui était devant les trois titans était une personne habillée en manteau blanc et avait des barbes blanches. Et ils ont ouvert la porte du titan. Et ils sortaient de l'argent. Et il disait que ceux qui viennent dans ce camp de prière, amen, que cette année c'est fini avec la souffrance. Amen. Nous avions prié le jeudi passé. Dieu s'est résolu que toi qui étais pauvre, avant de venir dans ce camp de prière, après cette prière-là, le Seigneur fera de toi un heureux millionnaire, un heureux milliardaire. Pour cela, on va prier. Baba Yehova, dis éternel, denufia, si c'est toi qui as révélé cela, ayadudu, la souffrance, cesse, les amertumes, ou comme imaye, la stagnation, le papa yame, cette aube, me nyaojo la benya, me chasse de ma vie, me doma vitila, conjure maintenant, choka ya braya darabaya, le kabarabaya, le baba baba baba, le kabarabaya, le basunda ya brekata, le kabarabaya, brekata kata kaya, le kabarabaya. Prière. Tu achèteras ton terrain. Le après
ce programme de prière, elle portugais, tu bâtiras ta propre maison. Après ce programme de prière, et nous y a moment sous ce que les gens n'ont jamais imaginé, où les Dieu fera de toi cette chose. Blabé Yehowa, dit Éternel. Et benade, tu as dit, bokboyonye vodribao, les esprits qui sont des dragons, yo le mianti là, autour de nous. Que nous allons les piétiner. Mais écoutez. Alors, on nous a donné l'autorité de piétiner les serpents, mais les serpents ont attaqué nos âmes. Et ils ont attaqué nos foyers conjugaux. Ils ont menti, ces serpents. Cette aube dans ta maison, dans ton service, un peu va descendre. Dis Éternel. Tout genre de serpent, toutes les sirènes d'assaut, toute puissance, cette aube, dans le feu la conçu, le feu, ils ont menti. Tu nous as donné le pouvoir. Ils sont dans nos âmes. Que le feu
D'une dame lorsqu'elle s'est rendue à la maison sur son lit de couche, elle a rêvé ce serpent qui était venu auprès d'elle dans le sommeil, et le serpent était en train de la menacer que pourquoi elle est venue l'exposer dans ce temps de prière ici, que c'est lui qui l'a épousé depuis l'enfance et il l'empêchait même de se marier dans le monde physique. De tels serpents sur qui on nous a donné le pouvoir de les piétiner, ce sont ces serpents qui ont attaqué notre vie, qui ont attaqué notre commerce, qui ont attaqué tous les domaines de notre vie. Mais ce soir, au cette heure de la prière, la puissance de Dieu va te libérer. Et si l'Esprit Saint descend sur toi, abandonne-toi à l'Esprit de Dieu afin qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Mais de coucou n'a pas encore pourquoi. Je t'en prie, affronte cet esprit dans la prière. Et dans la joie. Il doit te laisser. Baba au pommet. Dis-toi esprit de famille. Mi baba tata. Répétez-le avec autorité. Oh ma mi wata. Toi sirène des eaux. Oh vaudriba. Toi dragon. Oh ben mi ado fodju oye. On nous a donné l'autorité de te piétiner. Menye na ba le loubom, ne ba loubom eo. Il n'est pas question d'attaquer notre âme. Et ya tapi fila. Pour cela maintenant. A pou gome. Sous la main. Louvoye. La bataille commence dans la mer. La bataille commence sous la mer.
nous vient de toi. On sort une fille de la mer. Saint-Esprit. Ramène cette fille. Ramène cette fille. La bataille s'engage. Saint-Esprit. Êtes-vous fâché contre moi? Cette aube, nos âmes ne seront plus gardées par le dragon. On nous a donné l'autorité de le piétiner. Cette aube, ta bénédiction va revenir. La bénédiction appartenant à tes enfants va revenir. La bénédiction appartenant à ta grand-mère va revenir. La bénédiction appartenant à ton grand-père va revenir. Dieu éternel. Alors, on a aussi parlé des traces des lions. Alors, croyez-vous qu'il s'agit des lions de la brousse? Non. Et non. Ta mère, maman, ta grand-mère sera possédée. Alors, le monde est devenu une forêt pour ces gens. Et nous sommes devenus des animaux qu'ils veulent dévorer. L'Éternel dit, alors, ce lion qui constitue les esprits mauvais contre toi, on nous a donné l'autorité de les vaincre. Et c'est pourquoi une dame rend des témoignages que, et après avoir prié le jeudi, jusqu'au lendemain, son ennemi, son lion méchant, Dieu l'a frappé à mort. Dieu éternel, si mon lion constitue, ne pas constituer ma maman, ma belle-mère, une connaissance à moi qui me persécute, voulant me dévorer, il a menti. Oh,
Yeah.
Yeah.
La puissance de Dieu. Elle diamant la sorcière. Délivre les gens entre les mains des sorciers. Elle diamant le mamie va s'humer. Délivre les gens entre les mains des sirènes. Baba koko de koko va vivre. Que le Saint-Esprit t'amène maintenant. Baba koko sort. Saint-Esprit agit. Sort. Agit. Sort. Agit. Sort. Agit. Sort. Agit. Sort. Agit. Jéhovah. Éternel. Non, un bon nous là. Si c'est toi qui as parlé. Papa ya. Cette aube. Le gourou là tu l'auras demain. Le miracle. Elle lui est à leur vie. Elle lui est à leur vie. Je suis le Dieu la bébé. Je suis au père de la vie de quelqu'un. Oui. Cet esprit. Sortez de là. Agis maintenant. Agis. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont perdu espoir. Jésus donne la victoire. Baba, cet esprit agit. Baba, cet esprit agit. Cet esprit agit. 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 Edda. Le serpent. Vodriba. Dragon. Se trouve dans la famille de quelqu'un. Il a englouti sa bénédiction. La bataille s'encadre. Il sort entre les mains du serpent. La bataille s'encadre. 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 Quelque chose se passe cette nuit même. Amlima. Mystère. Nous guru. Miracle. Et nous m'abobo. Tu jamais vu. Maou le wala bado yame. Dieu laisse au père dans ce temple. Mais beaucoup m'yakbam. Regardez-moi. Fopo yame. Cette aube. Nous guru la tchole yabakbe. Le miracle s'opère dans votre vie. Hey. Amliba la tchole yabakbe. Le mystère est lieu dans votre vie. Nous guru la tchole yabakbe. Le miracle est lieu dans ta vie. Amliba la tchole yabakbe. Le mystère s'opère dans ta vie. Mais beaucoup m'yakbati ya. Regardez-moi. Je vais voir les mains des personnes bénies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu la marchandise d'une dame qui est complètement emportée. Et on l'a déposé au dépotoir. Dans l'intention qu'elle connaisse la faillite dans son commerce. Les sorciers ont emporté sa marchandise. La bataille s'engage dans la ruine des sorciers. Que ta boutique revienne maintenant. Que ton commerce revienne maintenant. Que ton commerce revienne maintenant. Il y a un homme de ce côté. Alors tous les projets qu'il a, il y a un méchant dans sa famille. C'est ce méchant qui détruit ses projets. Le méchant voit son bonheur se pointer. Et le démon entend encore ce bonheur devant lui. J'entends la puissance de Dieu. Oui. Saint-Esprit. Amène-le. Délivre-le maintenant. Délivre-le maintenant. Délivre-le maintenant. La bataille s'engage. La bataille s'engage. La bataille s'engage. La bataille s'engage. Massaka yabraya. Massoka takabayandi. Oh, Dieu. Ils ont menti. Que ta lumière Louise. Que ta lumière Louise. Que ta lumière Louise. Que ta lumière brille. Le tout yamea. Dans le rêve. Tu cours la 5 ans. Ou bien dans ce pays, les nations entendront de toi. Mi bro, amen, God. Amen. Oh, on s'est dans la pire. Il y a
Les croyants sont-ils ici? Amen, garde! Dis grandement Amen. Amen, garde! Dis grandement Amen. Amen, Amen, garde! Dis Amen. Amen, garde! Dis un grand Amen. Amen, garde! Dis un grand Amen. Je dis cette aube. Dieu congédie quelqu'un avec la bénédiction. Une bénédiction mystérieuse. Les arrière-enfants en bénéficieront. Les petits-enfants en bénéficieront. Cette bénédiction n'est pas destinée à tout le monde. C'est une bénédiction particulière. Si c'est toi, reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Que le Saint-Esprit t'amène. Assoyez-vous. Alors ceux-là qui appartiennent à cette bénédiction, que le Saint-Esprit les amène. Des millionnaires. Cet esprit. Sors-les. Cette nuit est extraordinaire. Dieu dit je le délivrerai. Car il s'est attaché à moi. Je le lèverai. Car il connaît mon nom. Dieu vous élèvera. Êtes-vous présent? Que le ciel t'élève. Que le ciel vous élève. Le ciel vous élève. La maman que Dieu vous élève. Ma soeur que l'Éternel t'élève. Que les portes s'ouvrent devant vous. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que le miracle ait lieu dans ta vie. Pour qu'il y ait de ce côté. Que les portes s'ouvrent devant vous. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dites Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans le temple. Alors, dans les quatre coins du monde, j'entends la voix qui me dit. Alors, je lui attribuerai une réputation. Je lui attribuerai une réputation. C'est le ciel qui parle. C'est le ciel qui parle. Alors tu dois avoir une réputation. Les démons qui t'ont voilé ne te les consument. Que le ciel te sorte maintenant. Que le ciel te sorte maintenant. Que le ciel te sorte maintenant. Que le ciel vous sorte maintenant. Que le ciel vous sorte maintenant. Amen, garde. Si un grand Amen. Amen, garde. Si un grand Amen. Droite.
Dit Jésus fera de moi. Assois-toi. Jésus fera des miracles. Et les signes auront lieu. En chantant Recevez la guérison.
Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Tu ne repartiras plus avec cette maladie. Jésus a vaincu la maladie pour toi. Jésus a vaincu la maladie pour toi. Que la terre se fonde en deux. Et qu'elle engloutisse toutes les maladies cette aube. Jésus te guérit maintenant. La paralysie. Écho. Le mal de cou. Et les maux de tête chroniques, adouame. Le malade, et la surdité, le katoutou, l'hémiplégie. Hey, Jésus, Jésus te guérit de cette maladie. Oh, nyemuse, amen, yo, yesu, le, yo, don, abek, dites amen. Mama, Jésus, Jésus te guérit de ce mal. Yesu, Jésus te guérit de ce mal. Yesu, Jésus te guérit de ce mal. Reçois la guérison. Hey, reçois la guérison. Reçois la guérison. Le Yesu comme. Dans le nom puissant de Jésus. Les fardeaux lourds qui sont sur ta tête, Jésus ôte ces fardeaux spirituels. Jésus ôte ces fardeaux spirituels. Amen. Disons amen. Assois-toi doucement. Dans la prière a parlé que monsieur de ce côté forme des projets et les ennemis détruisent ce projet en question. Est-ce que vous savez quelque chose concernant? Oui, parlez à voix audible. Oui, j'en sais quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Bon, parlez très fort. Disons, je peux pas tout raconter. Oui, disons, de façon brève. Bon, disons, hier
Hier, j'ai déposé un dossier pour la police. Donc, quand j'ai déposé immédiatement, ils ont rejeté le dossier. Ils ont rejeté le dossier. Est-ce que tu en as connu d'autres avant le dépôt que tu as fait hier seulement? Si, j'ai déposé un autre. Le dossier que j'avais déposé pour Soneb, là, le jour-là, j'avais composé, on a trois matières à composer. J'ai composé deux. Le troisième, j'ai vomi sur la copie, là, et on m'a fait sortir. On t'a fait sortir. Elena Minya Benabe et Sode Kapekoye au lancé concours d'évaille. Et Soa, évaille au dépôt des dossiers. Tu as eu ma ou tu as eu. Benye policier au bé, yo yo. Et il me kei tu as eu ma tu as eu. Au Béoma Zedeka. Ni tu as eu ma ya. Nene ma ke au yo yo de. Ye y le dodo quoi. Le dodo quoi be y me a. Y trou quoi de ou ma ou pataji quoi ou nya e jo. Mi baba ou ta je. Ils ont menti. Hey, ma maman. Etonye. Mon papa. Dadanye. Ma soeur. Nous foutons mes ce que l'ennemi ne peut pas te voir devenir. Tu te rabobes ma sous-noi. Lève-toi et dis, je le deviens. Et il me y a dire. Et pas plus que je suis dans ce corps. Et puis le deviendront certainement. Alléluia. Amen, 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 amen. Bobo Nanoye. Assois-toi. Ils ont menti, les méchants. Vous voyez, les puissances de famille. Mais ils ne m'avaient rien dit. Mais le ciel me disait lors de la prière que c'est lui le concerné. Je dis, Dieu va te délivrer. Ce que tu traverses cette année, que Dieu t'en délivre. Tu parles de ton âme. Que le ciel t'en délivre. Tu parles de ton âme. Que le ciel t'en délivre. Bon, amen, garde. Si, amen. Fofo. Tu veux parler encore? Ok. Quand ils ont rejeté le dossier, hier, oui. Mes frères et moi, j'ai tracé un projet avec eux. D'habitude, si je viens, je ne reste pas à l'intérieur, je reste là-bas avec eux et je rentre chez moi. Donc, ils ont dit, aujourd'hui, un frère à moi dit que tu dois rentrer à l'intérieur et suivre la messe là. Oui, et j'ai dit non, que je dois rentrer et dormir parce que j'ai trop de soucis. Et lui m'a forcé à rester. C'est pour ça que je suis resté, sinon j'allais rentrer chez moi. Elle est globena. Là, il va là. Elle dit, il y a maintenant à quoi il y a. Il y a un domaine. L'ingue domaine là. Mais toi, il y a un tâchant. Mais sous son, va où il y a un peu. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Waoué deux et nous c'est yo pour la ébé invano akpa ya goji ayez maï maoupe bobo valley. Nonoto. Bien aimé. Si depuis abe maoupe bobo quoi quoi le wado le tout y a dit. Cela révèle encore que c'est le vrai esprit de Dieu qui agit dans ce camp. Nous yo katami le wa amédé à le douter. Alors même vos gens eux l'abe. Alors, malgré tout ce que nous faisons ici, il y a quelqu'un qui doute de l'esprit qui est à l'œuvre ici. C'est l'esprit de Dieu. Nous n'utilisons pas des bougies, des encens. On n'utilise pas des bougies. Nous n'utilisons pas des pommes, des huiles, mais simplement au nom de Jésus et les mystères s'opèrent. Migbo amen. Amen. Oh, migbo amen là. Amen. Popo yamede. Cette aube. Tu pommes ma grana aube. Le ciel me charge de te dire. Adjobe du kuru. Tu repartiras avec ton miracle. Maman, adjobe du kuru. Tu repartiras avec ton miracle. Maman, adjobe du kuru. Tu repartiras avec ton miracle. Maman, adjobe. Tu repartiras avec ton mystère. Alléluia. Amen, 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 amen. Vas-y. Regagne ta place. Mm. Ton histoire va changer. Yeah. Mm. Okay. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur pour ce programme que le Seigneur m'a accordé. Participer. Ok, qu'est-ce qui te concerne cette aube et tu es sorti? Quand l'homme de Dieu a parlé, c'est vrai que je ne comprends pas bien la langue, mais il y a une puissance qui m'a saisi. Il y a une puissance qui t'a saisi. Donc je ne pouvais plus contenir. C'était comme un fait. Ok, quel est le motif pour lequel tu es ici?
Je suis venu pour le travail. Tu cherches du travail? Je cherche du travail. Ok. Mais avant tout, d'abord, je remercie ma maman parce que c'est elle qui m'a permis que je sois là ce soir. Parle très fort, parle oui. très fort. C'est ma maman qui a permis que je sois là ce soir, la voilà là-bas. Mm-hmm. Oui. Ta maman? C'est le mercredi soir qu'elle m'a informé qu'elle voulait venir ici, la montagne. Je suis commercial dans une entreprise. Et le commercial, il doit être sur le terrain à tout moment. Parle très fort, parle très fort. Oui, les commerciaux doivent être sur le terrain à tout moment. Mais quand il m'a informé, je me suis dit, ah, voilà qu'il doit aller sur le terrain pour chercher des clients. J'ai réfléchi, comme c'est pour venir chercher Dieu. Et tu as choisi venir ici? J'ai choisi venir. Ok. Et on est venu, on est arrivé le jeudi, soit vers les 16h ici. On a prié. Hier, j'étais à la veillée. Et aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur m'a permis. Je remercie vraiment le Seigneur. Tu es de quelle nationalité? Je suis burkinabé. Ah, ok, tu es burkinabé. Je suis burkinabé et ma famille, je viens d'une famille musulmane. Et c'est la quête d'emploi qui t'a fait venir au Bénin? Non, je suis venu pour les études. Les études. J'ai déjà fini le master en banque finance. Ok, et vous cherchez à faire? Je cherche. Vous n'en trouvez pas, raison pour laquelle vous êtes devenu agent commercial? C'est ça. Au fait... Et au moment où je disais que Dieu me parle, que c'est comme ça, il accordera une réputation, une renommée à quelqu'un, c'est là qu'il a reçu la délivrance. Il est à la quête d'emploi. Il n'en trouve pas. Et il est aussi musulman. Musulman converti. Mais le Saint-Esprit l'a visité. Alors, le problème dont il souffre exactement, Dieu l'a délivré de ce problème. Observez sa vie. Il reviendra dans ce camp avec sa maman. Dieu changera son histoire. Il viendra témoigner ici. Dites amen. Okay, regagne ta place. Et acclame Jésus. Acclame Jésus. Et constamment, nous clôturons le ministère avec les dames enceintes et celles qui veulent tomber enceintes. Alors toutes les femmes mariées qui sont ici et qui souffrent de la stérilité, l'infertilité, sortez. Alignez-vous. Oh, Jesus. Quand vous serez ici, alignez-vous. Oh, Jesus. L'une derrière l'autre. Massacre. Oh Jesus. Alignez-vous, alignez-vous, alignez-vous correctement. Mido, mido. Dieu va t'accomplir le miracle cette aube. Et ton utérus va concevoir. Tu iras à la maison avec le sourire aux lèvres. L'esprit d'infertilité va plier bagage de ta vie. Cette aube même. Oh Jesus. Masuri andarabaya. Jesus. Oh. Dieu se souvient des gens. Et ville d'Anonona. Ton bébé va têter tes seins. Bébé ville d'Anonona. Ton bébé va têter tes seins. Bébé ville d'Anonona. Ton bébé va têter tes seins. Que toute l'assistance se lève. Nous allons à l'unisson intercéder en faveur de ces femmes infertiles. Envoyez les mains vers elles. Dis éternel. Tu as dit qu'il y aura plus de stériles parmi ton peuple. Pour cela, maintenant, permets qu'on sache que tu es Dieu. Yehovah. Éternel. Donne-leur d'enfants.
Comme l'heure des enfants. Priez maintenant. Priez. Intercédez en leur faveur. Que Dieu leur donne des enfants. Que le Seigneur se souvienne d'elle. Priez. Hey, Jesus. Ma carabaya. Un vie. Des bébés. Un vie, vous trouvez. Des garçons. Un vie, non, nous vie. Des filles. Mais quoi qu'un bon viageur. Recevez avant d'aller à la maison. L'ayant sous ma caméra. Au nom puissant de Jésus. Mais de coucou, Annie, non, bien, Annie. Que l'assistance reste assise. Pipila. Maintenant. Vidigdor, les gars, pour. Les utérus vont s'ouvrir. Le miracle qui a souvent lieu et les gens rendent témoignage. Que de tels miracles aient lieu dans votre vie. Que ton utérus s'ouvre maintenant. Et s'ils ont lié ton utérus dans un arbre, dans une termitière, dans une bouteille magique, que le lieu s'éclate maintenant. Hey, reçois ton bébé. Reçois ta fille. Reçois ton garçon. Reçois tes jumeaux. Reçois-les. Le mois prochain. Si tu viens encore dans ce camp, tu ne feras plus partir des femmes infécondes. Tu deviendras enceinte. Tu iras à l'hôpital pour la consultation prénatale. Et ton bébé va t'étesser. Le Yesu ben kame. Au nom puissant de Jésus. Mirei pe nu kunuya. Allez-y avec ce miracle. Oh Jesus. Mandalabaya. Kai. Oh nyonu kai wa klo nyonu yado. Alors, quelle est cette femme qui persécute celle-ci? Elle date de 10 ans. Alors, elle a porté des rameaux. Le megbe na nyonu. Derrière une dame ici. Le hovia. Et elle arrache son bébé. Le feu te consume. Hey, le feu te consume. Fire. Feu. Fire. Feu. Et tu as croisé Jésus. Tu persécutes cette femme. Et tu l'empêches d'avoir son enfant. L'empêchant d'enfanter. Et cette aube. Jésus te reconnaît. Il te chasse définitivement. Plus d'abord, va-t'en de la vie de cette femme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dites Amen. Oh Jesus. Une dame souffre des fibromes. Elle bat les vies du doigt, mes filles. Et les fibromes bougent actuellement dans son utérus. Et c'est l'obstacle à ta procréation. La puissance ou l'épée du Saint-Esprit. Elle est en train de t'opérer maintenant. Hey, que les fibromes disparaissent au nom de Jésus. Que les kystes disparaissent au nom de Jésus. Recevez la guérison. Hey, reçois la guérison. Nous la candidose. Quand tu conçois, il y a toujours fausse couche. Le démon qui consomme ton bébé. J'invoque le feu sur ce démon. Tu prends tout car le papa va s'y mettre. Le serpent libère de ce démon. Le serpent. Mamie. Les sirènes. Où tu vas donner plio. Le mari de lui qui couche avec toi. Et je dis la poucomme. Le feu le consomme sous la mer. Le Yesu ben kame. Dans le nom de Jésus. Mikbo Amen. Dites Amen. Mais beaucoup m'y a pas fille. Regardez ici. Oh Yirami. Vous êtes béni. Allez-y, enfanté. Mm.
Après votre départ de ce temps de prière, allez-y, allez-y seulement, vous comprenez. Alors, change un peu la stratégie dans ton foyer. Arriver à la maison. Alors, considère ton mariage renouvelé aujourd'hui. Et dis les mois prochains, tu auras ton bébé. L'année prochaine apparaît moment. Tel que quelqu'un vient de témoigner, toi aussi tu viendras avec ton bébé. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Tu viendras avec ton bébé. Amen. Iso, amen. Allez vous asseoir. Que toutes les femmes enceintes viennent maintenant acclamer Jésus. S'il y a une femme enceinte qui somnole à côté de toi, reviens-la. Nous sommes à une phase importante parce que les femmes enceintes viennent. Qui sont celles parmi vous qui souffrent de l'infertilité. Après que tu es venu ici, que tu es devenu enceinte, lève ta main. Acclamez Jésus pour leur vie. Jésus est véritablement à l'œuvre. À présent, placez les deux mains sur votre ventre. Si c'est l'Éternel qui t'a accordé, une puissance va s'opposer à l'accouchement. Que Dieu prise cet esprit dans ta famille. Qu'il prise cette puissance dans ta vie conjugale. Vous allez accoucher dans la quiétude. L'Éternel ton Dieu sera toujours avec toi. Et tu vas accoucher avant l'arrivée des sages-femmes. Celles qui sont programmées pour la césarienne. Que le ciel vous donne la victoire. Que le ciel vous donne la victoire. Les bébés ou les fœtus qui ne bougent pas. Que la vie les intègre maintenant. Que le fœtus commence par bouger. Les fœtus qui n'ont pas adopté la bonne position dans le ventre. Que le Saint-Esprit tourne en cercle. Le Saint-Esprit tourne leur position maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le fœtus commence par boucher. Que le fœtus bouge. Que le fœtus bouge. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dites amen. Ah, mais vous comme y'a pas fille. Regardez ici. Allez-y accoucher. Dites amen.
disent Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes à l'œuvre. Le jour de l'accouchement, que Dieu vous soigne afin que vous accouchiez paisiblement. Amen. Amen. Oh, Jesus. Allez vous asseoir. Makaya Brian. Oh, Jesus. Kai. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. Madekukubena. Mia poisipe gare kana Yesu. Acclamons fortement Jésus. Poisipe na Yesu. Acclame Jésus. Poisipe Yesu. Les acclamations, Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. Mais le segbiabe. J'entends la voix qui dit. Nous l'attendons à la maison. Il suffit qu'il revienne seulement. L'esprit a menti. Lève-toi et dis, cet esprit a menti. Dis éternel. L'esprit qui m'attend à la maison. Maintenant. Le feu le consume dans ma maison. Le feu. L'esprit qui t'attend. L'esprit de mort. Qu'est-ce qui t'attend à la maison? Que Dieu combatte la chose. Que le ciel combatte la chose. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voudrais que dans une minute chrono, nous mentionnons le nom de nos enfants dans la prière. Alors, que Dieu mette. Amen. Que Dieu mette l'obéissance, la politesse, la crainte de Dieu en nos enfants et qu'il chasse de la rébellion, la recalcitrance, l'ivrognerie, l'alcoolisme, le tabagisme. Dis éternel. Mentionne le nom de tes enfants. Dis éternel. Je te confie mes enfants. Les esprits de tout genre. Et il va donner des viandes. Qui vont le soleil va boire. Je le fais la consigne. Mais tombera. Priez. Yo deviens même corps de cas de cas de cas de cas. Mentionne les noms de tes enfants. Ne. Si un méchant va attaquer tes enfants, il a menti. Que Dieu fasse de tes enfants le feu spirituel. Au nom puissant de Jésus. Je vous en prie. Écoutez-moi. Je ne sais pourquoi Dieu me parle de ceci. Et Dieu me dit que à cette aube même, l'enfant de quelqu'un sera tué. Mais voilà. Dis à quelqu'un à côté de toi de se réveiller s'il dort pour la prière. Dis éternel. Non, on ne peut pas ouvrir. Si tu planifies, tu aimes l'un de mes enfants cette aube. Oh, on t'a dit. Ils ont menti. Ah, on a dit. La bataille s'engage. 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 Ah,
Masakatakabaya. Ah! Masoria darabaya. Minani. Assoyez-vous. Minani. Assoyez-vous. De vie que le Yakula. L'enfant que les méchants veulent tuer. Maoule Touka et Noado devient avec TP. Dieu te libre. Maoule Touka et Noado devient avec TP. Dieu te libre la maman. Maoule Touka et Noado devient avec TP. Dieu te libre la maman de cette femme. Que le Saint-Esprit combatte en faveur de cette femme. Massaka Yabraya. Jesus. Aha. Oui. Aha. Oui. Aha. Oui. Aha. Oui. Masoka Yabraya. Masekandara Bayande. Maoule Wafa. Dieu combat maintenant. 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 Le Yesu Bentame. Au nom de Jésus. Minoto Mikbam. Écoutez-moi, regardez ici. Tout ce qui veut te faire pleurer, que Dieu fasse pleurer la chose. Dites au moins Amen. Que Dieu fasse pleurer la personne. Que Dieu fasse pleurer la personne. L'esprit qui veut tuer ton enfant, cette aube, et son tchèque, papa, le feu le consume. Mais Benade. Pour ce qui veut te faire pleurer, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Hey, Fafoya Mela. Cette aube. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Le nom puissant de Jésus. Le Yesu Bekame. Dans le nom de Jésus. Le feu consume ce démon. Quel esprit es-tu ici? Hein? L'esprit dit de le laisser pour qu'il tue son enfant. L'esprit demande si l'enfant l'appartient. L'enfant appartient à Jésus. Tu as menti. Le feu te consume. D'où viens-tu et tu veux tuer son enfant? Hein? Le feu te consume. Vous voyez? Nous sommes vers la fin. Dieu est véridique. L'esprit parle. De le laisser pour qu'il tue son enfant. Je dis. Celui qui veut te faire pleurer, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ils ont menti. Tu as vaincu. Oh, Baba, yo, donne-la. Toi, esprit qui est envoyé comme émissaire. Toi-même, tu consommeras ta chair. Tu boiras ton propre sang. Mais toi, tu peux y rebeller. Je te perce par l'épée à double tranchant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Amen. Amen. Il a dit, je le délivrerai. Car il s'est attaché à moi. Cette aube. Tu repartiras avec une grande bénédiction. Je ne t'ai pas écouté. Y a-t-il quelqu'un dans le temple? Tu repartiras avec une grande bénédiction. Je prie cette déclaration prophétique. Si tu ne dors pas, que tu les reçois, elles s'accompliront dans ta vie. Si tu vas au champ, tu auras la bénédiction. Si tu vas au marigot,
tu auras la bénédiction. Ne yassime. Au marché, à quoi yaira. Tu auras la bénédiction. Ne la peme. À la maison, yaira la nova. La bénédiction viendra. Ne mlanira battu au lit. Couche au lit. Yaira la nova. La bénédiction viendra. Yesu na yirabi. Que Jésus vous bénisse. Bon, amen. Amen. Bon, bon, non, non, yible. Assois-toi doucement. Voici que dans Yesu nam. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Mais de coucou et mi douk bera ma ou la ten yodo amède ou fan la mou domen. Et ne nye dono adoro kupo ne ekpobe do avoa a kwa si jile a fi ne le mi akpo ame ko yesu yodo na pifi doro kupo mkuvi yo aboye yo ekoye yo jime pou yo po domen yo doro kupo ne do avoa a kwa si jile a fi ne le mi akpo. Et après la prière, tout de suite, Dieu peut forcément guérir certains de leurs maladies. Vous allez essayer de vous examiner, vous souffriez des maux d'yeux, des maux d'oreilles, le mal de cou, le mal à dents, les maux de hanche, les maux de ventre, la paralysie, la cécité, l'hémiplégie. Examinez-vous. Ok, mais yo quoi si dia on est tu te va. Que tous ceux-là qui se sont examinés, mais tu te vas sortir, qu'ils sont guéris, viennent. Je vais m'attendre. Amen.
Acclame Jésus-Christ de la prière. Tout de suite, le Seigneur l'a totalement guéri et les douleurs ont disparu. Le Seigneur lui parle que les ennemis sont décidés à éliminer la vie de l'enfant de quelqu'un ou quelqu'une. Alors au cours de la prière, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Elle a vu que son enfant, que cet enfant qu'il avait adopté voulait tuer, est sorti d'une tombe et le cercueil s'est encore ouvert. L'enfant est sorti du cercueil et s'est enfui. Cela montre que tout ce que les méchants ont planifié contre sa vie, cette hope, le Seigneur l'a délivré. Amen. Amen. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Cancer du sein. Cancer du sein. Le kebele wala noa me. E kouye. Kouye kondi a yo pona ou. Opona. E yo pona ou. Vifi ya donki ta obe nouka. Lendi odo na me ma. Odo lendi na obe ava. Vifi la yke mi vale dok bedare nouka ou vade desiye ou to. Nyengba le santi ou. Nyengba santi ou ebe dougou de pekle ou. Hallelujah! Amen! Voici le bel docteur Jésus! Acclame le docteur Jésus! Voici le bel docteur Jésus! Acclame le docteur Jésus! Voici le bel docteur Jésus! Acclame le docteur Jésus! Acclame-le! Si tu peux te lever, l'acclamer! Et viens, tu viens! Le roi des rois! Et par ordre de l'évangile! Il a offert un bien verri! Hallelujah! Amen. Amen. Le miracle a lieu. Le mystère a lieu ou pas. Cette aube. Reçois ton miracle. Reçois ton mystère. Reçois ton miracle. Alléluia. Amen, 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 amen. Yézia, so 2016, n'y a pas d'assia. Amen. Amen. Quel est ce miracle? Quel est ce miracle? Nane wanyebe. Wenye mawu. Après votre départ de ce camp ici, vous aurez la victoire, vous aurez la bénédiction, vous aurez la prospérité. La maman remercie le Seigneur cette aube. Elle dit qu'il y a un certain moment donné, elle a commencé par avoir des douleurs au niveau de ses deux seins. Et lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital pour la mammographie,
Les médecins lui ont dit qu'elle souffrait du cancer. Il y avait même des tumeurs dans ses seins. Et on l'avait déjà programmée pour une intervention chirurgicale le lundi prochain. Et elle est venue dans le camp de prière ici. L'orateur dit que le vendredi matin, quand il était en train de recevoir les gens au secrétariat ici, et vu que l'heure était sonnée pour qu'on débute la prière ici, et il est sorti. Il a dit à la dame qu'il ne pourra pas la recevoir. La dame s'est mise à pleurer. C'est là qu'il est rentré dans la chambre et la dame lui a un peu expliqué la situation qu'elle traversait par rapport au cancer que les médecins lui ont diagnostiqué à l'hôpital. Il a prié pour la dame et il lui a dit qu'il est sûr et certain que jusqu'à la fin de ce programme, le Seigneur va la guérir. Et cette aube, après la prière, la maman nous confirme que le Seigneur, lui, a totalement guéri de ses cancers. Les tumeurs qu'elle traînait dans ses mamelles avant d'arriver, ces tumeurs ont totalement disparu. Elle ajoute en disant que depuis 2016, elle connaissait la ménopause précoce. Mais tout de suite dans la prière, elle a repris ses menstruations. Voilà les merveilles que le Seigneur a opérées dans sa vie. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Eh bien, lundi, le docteur a programmé, il y a eu un don. Il y a eu un don. Il y a eu un. Alléluia. Amen. Il y a eu un docteur. Il y a eu un docteur. Nane wanye be wege ma wanye ma nane ma lelo. Dieu existe bel et bien. Et une maman a dit qu'il y a quelque chose dans ce camp. Cette aube repartira avec ton miracle. Acclame plus fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Taïne en tête de mi point. Ah, bon, vous m'avez aussi simulé. Vous m'avez belé pour. Ah, si tu donnes mes doigts, mais vous m'avez quand de prière d'y aller. Bon, non, 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 y'a oui. À Coro tout temps. Amen. Ta effam, mion, 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 mion. Alléluia! Amen, amen. Et bien ta femme est mio, 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 mio. Il dit que les maux de tête ont totalement, totalement disparu. Et il rassure quelqu'un que le Dieu de Devoukame est super. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Je veux rendre grâce au Seigneur parce que depuis le dimanche, j'étais malade. Et tu souffrais de quelle maladie? J'avais le palu et la toux et j'avais très mal à la gorge. Est-ce que tu as été à l'hôpital? J'ai pas été à l'hôpital. Maman a fait des soins à la maison. Mm-hmm. À partir du lundi, j'étais sous perfusion jusqu'au jeudi. Et malgré les soins? Je ne pouvais pas me lever ni sortir de ma chambre. Je ne suis pas sorti jusqu'à ce matin. Depuis le lundi. Et hier soir, un ami à moi, avec qui je suis venu ici en janvier, m'a écrit qu'il ne m'a pas vu à la prière. J'ai dit, j'étais malade. Et il m'a dit de tout faire pour être là ce soir. Et avant de sortir de la maison, j'étais hyper fatigué. Je n'arrivais même pas vraiment. J'ai dû porter deux pulls pour pouvoir conduire la moto pour venir. Mais à mon arrivée, quand je suis arrivé, et qu'on a commencé la louange, j'ai reçu une force en moi et j'ai commencé à danser. Amen. J'ai trouvé la force de danser. Et quand on priait, j'ai senti comme il y a un zèle, un feu qui m'a rempli et j'ai trouvé la force pour prier. Et du coup, après ça, jusqu'à maintenant, je ne sens plus aucun malaise. Alléluia. Je ne sens plus aucun. Amen. Amen. Alléluia. Je me sens bien, je veux rentrer. Alléluia. Amen. Ok. Frère
Amen. Alléluia. Grâce au Seigneur Jésus. Alléluia. Hébreu 50, il y a un soir. Quand on a ce type pour le tirer pour le moi, le mettons. Si mes codes, moi, je vais dans un homme libre ou limite. Tout le monde nous promet. Eh bien, bon, Alléluia. Voici que na Yesu là, voici que na Yesu. Prenez Yesu. Amen. Amen. Le frère dit que depuis mercredi, il a commencé par avoir des maux de ventre chroniques, à tel point qu'il était couché. Au cours de la prière même, il était là, couché. Mais lorsqu'on a demandé de poser la main sur les maladies, il a placé la main sur son ventre. Après la prière, les maux de ventre ont totalement disparu et il se sent libéré de ses maux de ventre. Amen. Amen. Mia passi bere kana Yesu. Passi bere Yesu la. Acclame Jésus-Christ. Matba me ya ira basira. Je veux voir les mains des personnes bénies. Maten no chi de nuela nyonto. Si tu peux tenir. Prêt. Alléluia. Hallelujah! Amen. 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 Bobo nanwani. Assois-toi. Dosio ne wo la. Je boubou. Avasio ne wo la. Je akbe. Mato ne chi. Maka fouwo. Les œuvres que tu as je vais te lever, je vais te lever. Les œuvres que tu as accomplies sont ma